face à la vie humaine, la crise de l'eau et l'énergie. Et même si notre planète contient 2/3 de l'eau, 40% de la population mondiale menace le manque d'eau. Une heure d'irradiation solaire peut alimenter notre planète durant une année. La question qui se pose avec force, est-ce qu'on peut exploiter ces ressources pour assurer les besoins du consommateur? La solution que nous proposons, alors nous fournissons d'eau potable gratuitement par un système de dessalement d'eau de mer par compression de vapeur mécanique. Alors c'est un système qui se traduit sur la combinaison en trois sous-systèmes. L'unité de dessalement par compression de vapeur mécanique, la machine frigorifique par absorption et la source d'énergie en utilisant le système photovoltaïque thermique. Au niveau de l'unité de dessalement, nous avons intégré la compression de vapeur mécanique pour qu'on puisse contrôler les fluctuations des radiations solaires. Ce système présente une grande compatibilité entre la source d'énergie et les besoins du consommateur. Lorsqu'il existe un grand gisement en termes d'énergie solaire, il existe un grand besoin en termes d'eau. La concrétisation de ce projet nécessite beaucoup de compétences, à savoir technique énergétique, design. Ce groupe s'appelle Solaricium.